avec le boss Henri Lacroix et ses 5 titres au Masters. Et 21 titres de champion de France hein, depuis, depuis Bergerac au mois de juin. L'équipe de Courtois que vous avez pu voir avec Antoine Borgé dans l'axe et le maire donc de Nevers. Ah mais j'ai pas vu maître Antoine moi, ni monsieur le maire d'ailleurs, je regardais pas l'écran. Et vous regardez ce qui se passe sur cette piste et c'est parti pour Thiel Bonetto. Ouais, qui se relance au tir, lui qui avait connu une demi-finale un petit peu dure dans ce domaine, l'artilleur. Un début un peu poussif. Boule blanche pour la croix. Et qui revient direct, le Niçois à ses standards habituels. Son équipe qui s'est imposée sur face à l'équipe de Ludovic Montoro. 13 à 5 dans cette demi-finale, après avoir battu l'Italie en quart de finale. Bien joué Stéphane Robineau qui continue sur sa lancée de la demi-finale. Devant son public, c'est 1800 spectateurs qui sont complètement acquis à sa cause. Lui, le seul Nivernais sur la piste pour cette grande finale, natif de Cosne-sur-Loire et qui a, je pense, passé un moment pour un portrait avec tous les spectateurs aujourd'hui. Ça va être un bon étau de gala et on l'a vu dès l'échauffement d'ailleurs, hein, qu'il était en mode reconquête. Lui qui n'aime rien d'autre que le spectacle et ses gros matchs, c'est vraiment un clutch player. Stéphane Robineau qui s'est imposé sous les couleurs de Nevers au Trophée des Villes il y a quelques années. Bien joué. Et champion de France de triplette avec cet homme notamment, Henri Lacroix. Allez Pierrot. Ouais mon Pierrot, vas-y. Allez, continue. Bravo. Oh là 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 là. Ça commence. On en avait eu 5 de suite en demi-finale pour Pierre-Luc Kézic qui avait pris le relais à merveille de Mickaël Bonetto. Et bien il sort sur la même dynamique. Faut surtout pas qu'il descende de son nuage. Ah moi Simon. Pour le spectacle évidemment. Ah Simon. Aïe 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 aïe, c'est frappé mais 3 points par terre, 3 boules contre 2, eh oui. Ça s'engage pas bien du tout. C'est à dire qu'on a tellement joué les reins là dans ce début de partie depuis le début que le moindre petit échec. Il y en a plus que 2 Stéphane. Ouais. Allez regarde toi. Et ouais, tir au but parce que là, y a plus grand chose à espérer là. Hein. Faut prier, déjà faut le gagner déjà, c'est pas évident. Puis alors après il faut faire des drôles de prières. C'est ça. Ouais, cette marche arrière de Pierre Lucchesi, elle a contrarié un petit peu les plans. Je n'aime pas l'allonger, continue à pointer, boule à boule. Aïe, un peu haut. Première main, ça veut pas. Ah, il y a encore la solution pour Henri Lacroix de tomber sur ce bouchon et il n'en perdra que 3. Parce que là, sinon, ça risque de coûter. Comme dit dessus, essaye de tomber dessus. Ça fait 2 mètres, c'est pas grave. C'est fait. Allez, Henri. C'est parti. La décision est prise. Arrêtons. Il a envoyé du garçon. Hein ? Un moyen. Déjà, c'est un. De classe mondiale, là, qui est demandé. Henri Lacroix.
Eh ben ma foi, ça va le... c'est du bon boulot quand même. Hein. Après, je sais pas combien il y en a au fond du jeu qui sont bonnes. Il y en a peut-être, il y en a qu'une. Il y en a qu'une, effectivement. Alors bon, il y en a quand même 5 à... il y en a quand même 5 en frappant la première, mais. Ouais, faut tirer, ouais. Tu vas encore en compte, Jess. Il y a plus 6 mètres là. Ça veut tirer, hein. Pierre Lucchesi, c'est. Ah, tu vas marquer. La distance, en règle générale, ça le gêne pas trop, lui. C'est loin, évidemment. Tu peux y en tirer une aussi. 10m50, merci Hervé Crozet et ses équipes pour leur réactivité. Tant pis, pas droit, dommage. Ouais, il aurait presque pu la prendre un peu sur l'oreille, mais ça suffisait pas. Allez. Si on voit droit, cette tige pas droit. Pour Géliali. Allez, mon moment. Toujours positif. Michael Bonetto pour ne pas perdre ses partenaires. Ah ouais, à la courbe, je l'ai vu. Je crois qu'il était dessus. Moi aussi. Oh, pas droit. Pas grave, mon cousin. Allez, maintenant, eh faut m'en marquer pas là. Eh ben, Lacroix, il a fait un drôle de boulot. Allez, parce que s'il ne tombe pas sur ce bouchon, c'était 6 sans jouer. C'est ce qu'il lui dit, Stéphane Robineau, là. À ce moment, vous voyez, second plan. Oh, oh oui. Ah, c'est ça. Ah ouais, c'est quand même ce que méritait la patrouille rose pour débuter dans cette finale pour le travail d'ensemble. Et malgré ce travail d'Henri Lacroix, ça fait 4-0 en faveur de Bonetto & Co. Et tirer cette dernière boule de Jean Feltin. Et Malo qui connaît bien l'attaque puisqu'il a été vice-champion de France en tête à tête. Donc c'est un garçon qui maîtrise aussi bien le point que le tir. 4-0 pour les roses. Sixième participation pour Jean Feltin à ses Masters. Il attend sa première couronne. Là, ils ont une équipe complétée par David Riviera qui a tout pour aller s'imposer à nouveau, ce qui permettrait à Michael Bonetto de réaliser un hat-trick qui n'a jamais été fait 2019-2021. Et donc, pourquoi pas 2022, lui qui l'an dernier a empêché Ludovic Montoro de réussir ce fameux triplé. Triplé en 3 éditions, ouais. J'entends. Pas la même distance, mais bon. Ah, tu peux en pointer une. Ce qui est vraiment ouvert, quelques champions qui l'ont remporté à 3 reprises et plus. Ça a commencé par Henri Lacroix, 5. Ah, non ah, bah, Philippe Quintet, 5 également. Bah, le recordman, c'est le grand Cruchot, l'adjudant chef de Cône sur Allier. 8 fois, je crois. Exactement. Et qu'on ne se fait pas plaisir, ça va être compliqué. Qui sont repartis avec 0 points de cette étape de Nevers et qui ne verront pas le Final Four, une rareté pour cette équipe un peu Hall of Fame de la pétanque. Avec Quintet, Suchot, Manu Lucien et Damien Huro qui complétaient le casting. Allez, ah, c'est bon. Quintet, bon. C'est lui qui va tirer. Non, on va aller voir. Je suis en train de dire, là, si on ne tire pas un peu plus. Par rapport au jeu. Ouais, ah, bien sûr. Après, c'est un peu plus long quand même. Ça ramène, je crois qu'on a dû tirer au palais d'entrée. Nickel, Bonetto est déjà dans les starting blocks. Ouais, enfin, il est pas mal mon point là-bas. Bon, frère, continue toi. Ouais, Mika. Ouais, fais de la place. Un peu court, ouais, c'est pas la première qu'on voit tirer comme ça, ça. C'est le terrain qui s'y prête un peu. Ah, attention, des fois on tombe en là, on peut manquer aussi, mais. Sinon, il voudrait tomber toujours en plein dessus, lui, mais. Ça n'existe pas, hein, ça. C'est pas possible. 75% de réussite au tir depuis le début de l'été et la première étape au Sainte-Marie-de-la-Mer. Pour Michael Bonetto. Du gratin mondial, évidemment. Ah,
Aïe, mauvaise nouvelle. Sort. Ah, c'est nul. Mauvaise nouvelle, parce que deux points par terre, boule à boule, déjà, c'était pas terrible comme situation. Pas trop loin, au poids de hauteur. Et là, maintenant, ils ont droit à un joker, les roses. Oui, allez. Allez, Henri. Allez, Henri. C'est la meilleure des idées. C'est une belle rectification. Ah, ça, c'est une drôle de bonne idée. À cause. Ouais. Dans la croix, il y a un X. Et c'est bien le facteur X chez les Bleus dans ce début de partie compliqué par ailleurs. Alors, Bouchon est quand même un petit peu enterré. Hein, mais s'il lui met une cartouche, il va bouger quand même. Il n'est pas tant que ça. Mauvais contre. Pas tant que ça. Là, il y a beaucoup moins de réussite, évidemment, pour Michel Bonetto, frustré. Ça, c'est le pire du pire, parce que là, maintenant, c'est la France. Faut y aller. Mentionne Stéphane Robineau, qui en a deux. Chacun a mal derrière Bouchon. Allez, un Piro. C'est mal tiré. Ah, Kuzawa, doucement, continue. Bien, cousin. Ouais, ouais. Bien tiré. Ouais, ouais. Là, il y a du. Il y a du noir au sol, mais. Ah, ouais, ça, c'est des drôles de coups du sort. Un drôle de coup du sort, ouais, qui vient d'arriver là. Entre la boule embouchonnée dans la croix et le contre. Le plus mal qui peut nous arriver, c'est que tu comptes la tienne. Ah, ouais, en arrière. Ouais. Sinon, ça passe. Ah, Piro, cousin. C'est ça. Ouais, Piro. Quelle dimension il prend quand même, ce Pierre-Luc ici. C'est quand même d'une régularité en haute altitude qui est impressionnante. Bon, ceci étant dit, le problème reste entier. Allez. Et cette mène. Ah oui. Va lancer la croix et cette équipe Rocher. Ah, pas. Ah, t'as bien qu'on parle là. Ah, fais courir. Jean Feltin, alias Moineau. Et sa préparation si particulière, si rapide. Ça boite pas là. Non. Là, au niveau du timer, il est à l'abri lui. Ouais, c'est bon. Le marque sur la main, c'est pas mal. Hein. Pas le bouchon. Ouais. Il est sorti, il tire à 4 encore. Viens voir, il a contré que le bouchon n'est pas parti loin parce que. Bien. Bien joué. Et Cortés qui va venir assurer donc ce lancement de finale pour l'équipe Rocher. Le terrain est assez piégeux quand même. Une mauvaise surprise est vite arrivée. Premier point pour les Bleus, Bonetto, 4-1-23. Petit à petit, Rocher fait son nid. Un premier point pour arriver jusqu'à cette troisième mène. Les deux équipes en forme hein, qui se retrouvent, elles ont remporté chacune l'une des deux dernières étapes et se retrouvent aujourd'hui. L'une d'entre elles bien égalera l'Italie qui a réussi à remporter les deux premières étapes de ces Masters 2022. Bon départ pour l'Italie, ils ont bien fait hein, parce qu'après ça a coincé un peu. Il a
pincé un peu le bouchon, Stéphane Robineau. Alors, on tourne beaucoup. Faut vraiment pas prendre la tête, parce que... Et Laurent, c'est vrai. Et t'es Laurent. Ouais, tu peux le gagner, frère. Ouais. Bon, allez, c'est vrai qu'avec ses 20 points en deux étapes, derrière, ça va être un petit peu plus long comme rythme, puisqu'en cas de succès d'ailleurs de cette équipe white card de Michael Bonetto, l'Italie terminerait 3e. Bien joué, Mano, bravo. Bien, bravo, allez, mon Simon. Alors, 9,70 m, là, c'est déjà des distances. Allez, Simon. Un peu plus convenable pour le grizzly. Il est tombé, il a perdu. Ouais. Il est bon. Simon Cortés. Ce côté-là, il est pas bon. C'est pas droit. C'est de mettre droit. C'est pas mal si tu mets droit. Ah ben, tu as fait ça. Allez Simon, cela c'est bien aussi. Je vais toucher près de mes droits. Toujours il roue meg. Toujours au terme, au toit. Allez Simon. Calimero. Oh, c'est loin. Hein. J'avais surnommé une année au Trophée des Villas, qu'il avait remporté d'ailleurs. Toujours il marmonné, on n'attrapait jamais les boules importantes. Hein, gna gna gna. Oh, cela est courte. Cela était quand même. Et oui, elle était de. Pas mal tirée du tout, elle aurait mérité d'y frapper. Elle était droite, le palais aurait été. Alors, ça, c'est depuis le début de cette finale. On voit un Cortés dans le dur. Et il est depuis le début de journée sur ce tir pour le moment. Mais cette finale est longue. On va peut-être pas partir tard. Hein, on va peut-être pas partir tard. Mais on sait pas. Oui, parce que déjà la première main, enfin la dernière main, le dernier carreau de Jean Feltin, il a fait il a quand même payé la main à 4. Mais la main avant, ils ont eu un max de réussite. Et là, ils sont encore mal barrés. Le temps facile, moins de 20 secondes. Et punchline dans il a croix, on pourrait en faire un petit bouquin en fin de carrière. Et pareil, c'est la même. Il a manqué quasiment au même endroit. Ah oui. Pour une heure aussi. Et comment stopper l'hémorragie? Ah, mais je sais pas, en faisant comme d'habitude, en embouchonnant à la cinquième. C'est vraiment triste de ne pas faire une partie correctement. Et pas d'un coup à se faire plaisir à faire une partie normale. Toujours ton RAM. Terrible. Ils auraient pu se mettre à l'aviron. À cause des rames. Ouais, là ils étaient bien là. Là il faut ramer par contre. Quoi. Eh ben. Oui, sinon on coule. Ouais, essaie de gagner le mien. Attention, je vais prendre du risque. Hein. Ouais, vas-y, je sors, c'est pareil. Hein. C'est ça. Dégâts. Ouais, je suis allé beau là. Ah, ça aurait été beau si on pouvait. Toutes les mains, j'en jette deux. Si ça a été beau, c'est dommage. Parce que si ah oui, je sais qu'il était beau le tien. Si je pousse même un coup sur deux. Ah, mais... C'est clair. Tu jouais. Pour ça, je fais ce qu'il y a. Parce que s'il y a loin en plus. Ah oui, c'est ça. Et non, ils sont encore en train de buter. Sur cette boule. Est-ce que. Bon, je vais tirer un peu. Hein. Est-ce que Jean Feltin pensait qu'elle en ferait tomber autant cette boule? Allez. Dès que tu la tapes, après c'est fait. Ouais, je vais essayer de tirer. Parce que la dernière, tu tombes très mal. Bouchon, tu redonnes le point, il faut tirer. Allez, fais de la place. Le doyen des trois, Amika. Moineau Feltin, capitaine de route sur cette étape. Là, il y a moyen de scorer. C'est pas droit. Pas droit. C'est bien, c'est juste pas droit. Pas droit. C'est juste pas droit. Je retire la mienne. Bon, il faut retirer, Michael. Juste pas droit. Allez. Allez, tombe dit dessus là. Ouais.
Ah frère, vas-y maintenant. Ah, il est quoi? Oh là là, maman. Ah, nice. C'était pas encore le bonnet time. Mal tiré. Là, je vous ai lâché, les gars. Moi, Batman. C'est pas bon, pas un Batman. Pas grave. On a quatre. On a quatre. On a quatre. Ouais. Notre objectif, c'est d'en faire trois. Trois, ça fait sept. T'as le bonheur de le mettre, c'est bien. Ah, c'est bon, il n'y a pas l'OL. Tu vas tirer après moi. Allez, faut que je mette le mien. Batman, pas trop coucher. Naturellement, moi non, pas. Je peux tirer quand même. On sait pas que c'est mal tiré. Allez, c'est bien à jouer. Mal tiré, oui. Vous y êtes sur cette piste à débriefer à chaud avec les acteurs. Ils sont en train de se dire. Je perds ma deuxième, même c'est. Ouais, je veux bien. Je suis d'accord avec toi. Ah, ça va sortir pour. Foupé, non ? C'est pas toi, Felton. Tu es pas rentré de la pointe de devant. Attends. Si, j'ai coupé là, non ? Non, il est là, il y a beaucoup. Alors ça, c'est mal joué, bon sang. Ah, c'est pas toi aussi. Tu tapes, t'as la place, tu joues pas pareil. Regarde, mais il y a beaucoup devant. Il y a beaucoup devant. Ouais. Ah, il doit avoir au moins 3 doigts. On va y regarder quand même, monsieur l'arbitre. De l'autre côté, je le vois pas. Bien, bien, mon cas. Ah, c'est une bon, mesure. Pas tiré, là. Il n'y a pas. Oh, t'imagines qu'il y a, il doit avoir 9 quoi mètres. Faire. J'ai fait un espèce de projet. Pierre Lucchesi, mais. Écoute, mon mec, il n'a pas rentré, moi. C'est un acte de pas faire. Je vais tirer quand même, c'est. Tu crois? Cousin, j'ai pas pointé, je sais pas. Oui. Je te mets ça, j'ai un cadre, enfin un petit panier au cadre. Je tire alors 40. Je tape toujours. Je sais pas où je vous prie. 80 cm. 80 cm. International de Mutlobots. Le Normand. Sur cette étape. 75 cm et 9 mm. Bonjour Dominique Lebot. Et Luigi Baldacchino. Le bot qui fait un gros bisou à sa maman, Marie-Cécile, suit des masters. Je sais pas où je vais. Je tiens bien ça, je vais à cadrer, je tire à 4. Sans mon fils, c'est bien. Et qui s'est fait piquer par une guêpe. T'en mets un sur deux, on en fait deux, c'est bien. C'est payé. Mais ça va mieux. Mickaël a marqué. Moi, j'ai pas bien tiré. Si j'ai tapé un coup, moi, t'allais tirer après. Ouais, ça va, je pointe. La mène, si je tire bien, juste y taper, tu fais une grosse mène, c'est moi. Après, je peux tirer, il aurait aimé tirer, il n'en a pas pointé une, disait-il tout à l'heure de la journée. Oui, mais. T'as juste à passer. Il était convaincu par le collectif que le point était plus normal. Non, bien sûr, après, c'est pas le jeu de tirer via. Il a envoyé celle-là. Désolé, les gars. Mais le petit bec qui permet de rentrer ce deuxième point. Ça, un tout petit peu plus. Et faire de la place en plus. Allez. Allez, essayez de le mettre, ça en fait un. Plus c'est bien. Deux, c'est déjà bien. Ok. Là, Mickaël. Ah, mais si tu y tombes dessus, toi. Ah, si je tombe dessus, la deuxième, elle est pas tirée, mais là. Tu peux même continuer. Bien sûr. Je peux même tirer de moi, Eh bien, oui. Ouais. Bravo, Pierrot. Oh, oh. Pierre Lucchesi. Bravo. Dans ses œuvres. Drapeau vert. La mer est limpide. Et la vue est lointaine pour cette équipe rose qui enchaîne. Déjà 7 points. Ouais. Allez, c'est-à-dire que ça manque un peu de. Ça manque un peu de tir pour l'instant côté bleu. Ah, pas contre. C'est belles images de drone, de ce cœur et de l'air au pied du bal de Vial. Oui, parce que tu l'as béqué, ouais, bien sûr. Superbe esplanade. Tu vois ? Ouais. Du palais ducal. Pas savoir. Après, vous avez raison. Premier château de la Loire. 15e siècle. Vous avez raison sur le tiet. La mienne, j'ai juste. Et dans la cité des Ducs, quelle triplette va être faite reine ? La grande finale de cette 7e étape des Masters de pétanque. Ouais, allez, feu. Volontiers. Allez, c'est bon. Robino Lacroix-Cortès, cette équipe. Arrêtons. Allez, fais la place. Kylian Rocher qui est dans le dur. Allez, Henri. On a tourné. Henri Lacroix qui s'y colle. Bien. Bien tiré. Bien, bien. Racouze. La première de Felton qui était sortie hein, au passage.
Wow. La fin du ralenti, il remet une encore plus intéressante. Allez, d'accord. Allez, Henri. Oh, oh, il était nécessaire pour la relance de cette triplette, le carreau est fait. Et un sourire pour Henri Lacroix, dites donc, ouais. Il n'a pas eu beaucoup. Non, il a dû se mordre la langue. Non, je déconne. Il est tiré, alors c'est important de cadrer, ouais. Pour éviter de rejouer, je sais pas de là. Oui, là, effectivement, non, dur de se mouiller. Apparemment, non. Ah, je sais pas. Faut regarder. Ouais, ouais. Ah, je pense qu'il est à eux. Moi, je vois plus rien, mais bon, là, je sais pas. Il y a loin, quand même. Là. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup. Ouais. En même temps, on va donner un coup, mais je pense qu'il y a beaucoup. Hein ? On verra bien. Ouais, c'est une finale. On va pas jouer avec le doute. Il y a un point. Je regarde. Ah, il est là, il est. Il y a beaucoup. 150 cm, 6 mm. 1 mètre, 50 cm, 6 mm. Ben ouais, moi aussi. Attends, il est là-bas. Attends. J'y suis. 166 cm et 7 mm. Et effectivement, elle est bien pour les roses. Celles-ci, ils ont vraiment bien fait, oui. Ah bah j'ai dit pleurer. Il y avait de la lucidité, Moineau, Feltin. Allez, ouais, ça y est, allez, prêt. Après, il n'y a pas grand-chose. Hein. Non. Ah, c'est vraiment... Je vois rien. Je vois dans les yeux, je vois rien. Il l'a gagné, mais pas assez bon pour faire tirer a priori. 7-1, ça nous fait tirer jusqu'au bout. Si je prends, je gagne. Ouais, c'est un boule. Moi, je fais tout. Ouais, c'est le jeu. Ah, c'est que là, ils ont fait un gros changement, hein, côté bleu, parce que Simon Cortès, lui, est passé du poste de tireur à celui de pointeur, sans passer par la case milieu. Donc, il ne ramassera pas 20 000. Bravo, lui. Je ne sais pas s'il ramassera 20 000, mais on lui donnerait bien la place Vendôme. Hein. C'est bien joué. Le cruising. Ah bon, Steph. Allez. Oh, comment se mettre en danger extrême, Stéphane Robineau qui réussit un tir ami. Et là, il a cassé la sienne. Ah bah oui. Et évidemment, c'est pas une bonne nouvelle. Ah, il a quoi, il avait fait le job, lui, ça se présentait pas mal cette semaine, et l'importance de celle de Michael Bonetto qui a cadré. On est nul quand même. Hein. Et du coup, ça a changé complètement à quelques centimètres, ça a complètement changé cette semaine. Ah, la première aussi, il fait tirer. Je tire bien, c'est pareil. Il a tiré. Ça va mettre là aussi la première. Ça va mettre là la première. Et chez nous pas celle-là, non? Bon, ça change rien, tu fais un beau tir, c'est bien, on sait jamais. Hein. Tu cadres sur l'autre là-bas. Il y en a 7, il faut. Ah, Steph. Allez, régale-toi. Eh ben, il faut prendre des risques. Ouais, c'est un régale-toi qui voulait dire fais ce que tu peux. Ouf, ça l'a juste sauté. Trop long.
Waouh, trop long, la donnée est très simple. Ouais. Ça peut encore envoyer du bois. Beaucoup même. Après, tu tapes le mat après. Ça m'en cause. Ah, quand il... cette juge démène, généralement, c'est pas à moitié depuis le début de cette finale. Parce que Michael Bonetto va nous faire mentir. Là, il y a moyen de scorer. Ouais, vous l'avez dit, Jean-Luc, ça va scorer. Et l'hémorragie n'est pas terminée. Ça va faire 10. Il y a du murmure hein, dans les tribunes. L'ampleur qui est en train de prendre le score. Eh oui. Évidemment, Pierre Lucchesi, il a un aimant avec ses boules. 3 sur et la quatrième. Alors, c'est pas les mêmes que tout à l'heure. Le bonus. Jean-Luc, ouais, c'est pas la 161 cm contre 158. Oui, mais là, je crois qu'il a touché un peu le bouchon. Ah, ouais, d'accord. D'accord, parce que oui, moi, j'avais le quatrième dans ma tête, à vrai dire. J'ai été un peu trop rapide en calcul, en conjecture. Prenez votre temps. Déjà que cette partie se déroule vite. Comme le disait Henri Lacroix tout à l'heure, on risque de rentrer pas tard. 159 cm et 4 mm. Ça a bougé. Ça a bougé. 4 mm. La boule des bleus. Quelle ampleur. C'est bon. 156 cm. Ouais, c'est bon. 3 points seulement. Entre guillemets, mais la note reste très très salée. 4 mains et un score déjà assez abyssal. 10-1 en faveur de l'équipe White Card. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Après, il n'y a pas beaucoup quoi. 54 à 59, il n'y a pas beaucoup. Il y a loin. Non ? Marco, vous avez bouchon tellement marqué. Ah, pas. Moi non, encore pas. Bien, moi non. Bravo. Bien joué. Pas trop près. Allez, Henri. Encore. Ouais, c'est une surprise. Hein. Arrêtons. Ah, il est important, deuxième tir ultime dans cette finale pour Henri Lacroix, qui est à la hauteur, lui, de l'événement. On va pas se mettre en dessous de suite. Hein. Ah, frère. Aïe. Ah, c'est là, Mika. C'est pas grave. Ah mon frère, c'est pareil, maintenant essaie de cadrer. Allez, tu vas bien, Sadan. C'est pas plus mal que de l'avoir chiqué et d'envoyer de mettre derrière. Il aurait fallu repointer là, si tire bien. Celle qui le reste, ça coûtera pas très cher. Analyse entendue, il fait mieux que ça. Ça reste collé. Tu vas te forcer nous avec Simon, non ? Non ? Allez, c'est qu'on risque. Allez. Le cap des 30 carreaux sur la saison a été passé par Michael Bonetto sur cette étape neversoise. Il s'est frappé, mais pas du bon côté. Ah non. Il s'est mal tiré. Bon côté, disons. Ça va. Bon côté. Clairement. Se densifier là en termes de difficulté. Sur la montagne, on nous l'apporte. Oui, c'est au moins il tapait, ouais. C'est pas une carreau, mais il fait 2 mètres de plus, voilà, il y est plus là. Le côté c'était bien. Il y est plus là. Celui-là, vraiment ça. Oh là là, là ça c'est la cerise là, sur le bateau. C'est possible d'arriver à faire des trucs pareils. Prends-moi celui-là.
Là, il y a Puric qui va. Et le mec qui s'engageait très très bien. Et là, on se retrouve en dessous. Ouais, c'est pas grave, hein, Simon. Oh là là, il est court. C'est encore bas, tu joues pas une boule dans le jeu, tu joues. Il est un peu bas. Pas une boule dans le jeu, c'est incroyable quand même. C'était pas d'une heure. Celle-là, non, la première, je suis long. Celle-là, ouais, je suis là, je suis dans le jeu. Simon, ça penche le terrain. Depuis ce matin, on te dit que ça penche. La première, je suis long à la même. Mais celle-là, est-ce qu'elle a pas bien tapé quand même, celle-là? Regarde où elle est. La première, je suis long. Il tire 10 fois là-bas. Scandaleux. Tiens, scandaleux, carrément. Il est lapidaire, Henri Lacroix. J'aurais pas voulu l'avoir à l'école comme maître. Voilà, je crois qu'il est en train de, craquer. Quand on a l'avantage de boule, on n'arrive pas à marquer. Bien tiré. Avec l'avantage de boule, on arrive à tirer pour pas perdre. Ah, j'ai bien tiré là-haut. T'avais tiré moins. Parce que tu sais, l'avantage de boule, il mesure les quatrièmes, l'avantage de boule, on tire pour pas perdre. Bien, mon Mono, bien, père. Bien joué. Ouais, les deux mêmes hein, pour Mono Feltin. Il a bien compris, lui, qu'il fallait jouer en haut. Mono Feltin, la boule, elle est jouée exactement où il faut. Il faut y frapper hein, pour Stéphane Robineau. Bien tiré. On verra une belle de plus, au moins. Bravo, bien tiré. Connois a endossé l'habit du patron. Bien, Pierre Robert, bien. Bien joué. Possibilité de monter à 12. Attention. Combien de points il aura mis dans cette position? Allez. Pierre Lucchesi. C'est assez impressionnant. Bravo. Bravo, Pierre. Ouais, ça reste dedans. Bravo. À la conclusion, mais c'est du sursis qu'ils ont gagné l'équipe de Dylan Rocher parce que cette mène est à nouveau en faveur des Roses. Ça fait 12 désormais. Encore une heure est en forme, en grande forme. Marc Alexandre. Allez les Bleus! Eh oui, merci beaucoup. Allez, Marc Alexandre, qui notre speaker a pris le parti des Bleus pour le spectacle, pour les relancer avec cette haut-là. Parce que oui, vous ne rêvez pas, début de 6ème main et le score est déjà de 12 à 1. Bravo, mon Mono. C'est encore bien joué. Il jette quasiment jamais de boule, c'est Jean Feltin. Donc, il tire. Évidemment, c'est. Il touche. Pour ses partenaires, c'est pas mal. Quand tu te cherches au départ, c'est pas top. Je tire moi ? Non, je continue. Ah bah oui, bien, ça me fait plaisir. Allez. Ah oui, moi j'ai eu. Allez. T'inquiète. Allez, mon Tiriton. Allez. Méritait mieux. Ouais. Méritait mieux. Ça va, okay. Ça fait la place.
Allez, Simon. Le but de la 6 est à 9 mètres. Et puis là, c'est qu'en plus là, le bouchon, Bruno, il n'envoie pas le bouchon pour prendre une grosse semaine. Il envoie à fond de cale. Le Kizi, c'est vrai que le face-à-face est à l'image pour le moment de cette partie globale. Encore au bas pour Simon Cortés. Il va falloir represser toi, pas. On est pas trop mal. Ah oui, ça jusque-là. Il a raison, Pierre-Luc Kizi. Ouais, mon nom. Ouais, pas. Bravo! Tiens, tiens! Bien. Ça va suffire. Bien joué! Il semblait un peu lui échapper, là, freiner au bon moment. Le nôtre, il est pas terrible. Soit on prend une 4 fois, on attend ou. Je vais pointer la mienne, après vous verrez. Soit on tire pas au bouchon, c'est pareil. Hein. Non? C'est bon. J'ai combien de boules? 4. Il faut le gagner 4 fois et espérer qu'il manque. Là, je vais le gagner moi, après on verra. Non? Comme vous voulez. Ah, tu rebutes. Pareil. Pareil, c'est bon, on joue pas bien. Oui, oui, ça. Hein. Allez. Henri. Ouais, décision. On joue pas bien, on sait jamais. A été prise. Henri, c'est les tiens. Ah, régale-toi. Essayer d'annuler cette main. Non. Allez, Henri. 8 gars au score. Jamais, tu vas sur le côté, je crois. Un peu court. Il n'a pas pu l'embarquer. Elle était droite pourtant. Il tirait comme la boule. Ouais. Ouais. Allez, Steph. La donne reste la même pour l'homme à tout faire. Stéphane Robineau. Vraiment un match à faire qu'on fait. Stéphane Robineau, mais il n'est pas droit. Je suis droit, c'est pas mal. Mais regarde, ben, il est droit, il sort. La dernière cartouche arrive. Ouais, c'est la foule chez toi. Ouais. Tapez, ça serait bien déjà. Fais lever la foule chez toi. Eh bien, si ça lui fait pas dresser les poils. En tout cas, c'est une belle pression là. À Stéphane Robineau sur ses épaules. Un tir pour prolongation, entre guillemets. Là, il est droit, mais il est derrière. C'est trop long. Ouais, je vois. Ah, ben. Bah. La cata. La cata, cette finale. A été extrêmement courte. Une domination de tous les instants de l'équipe de Michael Bonetto.